Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode, j'ai eu repas dans Earth of Iron 4 avec mon camarade Thierry Kai. Salut Serré! Salut McIntyre, salut les gens. Ok, donc on commence moi, j'ai une fenêtre. Alors, Christian Association of Italian Workers, et le choix que j'ai c'est Let us follow in the step of Jesus. Comment dire? Sachant que vous savez à quel point moi j'aime l'église, la chrétienté, la religion et tout le bordel quoi. Engineer. Mars 37, c'est un peu trop près. Tac, tac, tac. Bon, on s'en bat les couilles. Infanterie. Pas une reconnaissance et on enlève la pause. Je mets la vitesse au max au cas où. Bon, dans 50 jours, là, on a fini la recherche et on va se lancer dans le focus politique, enfin, pour enfin que les choses avancent. Parce que là actuellement c'est un scandale. Mais c'est bon, les gars, prenez-vous l'Ambator et bouffez la Mongolie, c'est bon. D'ailleurs ça donne quoi là-bas? Donc la Mongolie et le Maklik. Ouais non, ouais, la Mongolie se fait un peu défoncer. Putain le Maklik il va être gros au final. Ah il y a les Kings qui existent encore. Ouais, il est plus début le King. Ceux qui sont Il a plus bien, d'armes. ce que je sens bien moi honnêtement c'est le Japon. Parce que t'as le Transamur qui est tout seul. Transamur il est allié avec... Ah c'est un Un seul pépé de Japon. l'Empire du Japon. Ouais. Ah, le Japon il est un peu en mode je suis gros bill quoi, mais il a pas créé de faction le mec. Toute façon, le Japon, il a intérêt à me le rendre la Transamour, hein, s'il veut pas avoir des problèmes. Enfin pour l'instant le problème le Japon il te regarde, il rigole un peu quoi. C'est ça. Il fait arceau, c'est une grosse plaque, grosse plaque. Non, ça c'est Wilhelm qui dit ça. Ah oui. Le Japon, c'est plutôt. Aïe, grosse blague de l'occidental. Faire des blagues toi, m'en pas rigoler tes blagues nulles. Langue doctrine, comme d'habitude, je prends le super firepower. Veuillez Pour. m'excuser si j'ai blessé vos sentiments, honorable étranger. Bon, la stab augmente, c'est bien. Fighter. Putain, je sais jamais quel c'est closer support. Non, on va peut-être se pencher sur les fighters un peu, même si j'en ferai pas. La France, Benoît Frachon, putain, c'était ce mec. Voilà, qui est Benoît Frachon. Benoît Frachon. Hop. Requête licence line production. Le Mast Oh! 36. Tetchmitari, Hein? machin, déclare la guerre au Portugal. Ben, techniquement parlant, ils vont les défoncer. Ils vont se faire défoncer, les pauvres tous. Parce que, entre C'est guillemets, c'est un Göring. pays. Ouais, Göring, c'est un pays à part entière, l'Afrique là-bas, là où le C'est Göring. Portugal il a ses troupes au Portugal quoi. C'est ça. Et en plus, il n'y a que 5 et, entre 5 et 11 divisions, alors que Göring en a entre 10 et 16. D'ailleurs, est-ce que tu penses que Göring il va créer son propre état à lui? Le mec, il est capable hein, de se dire, oh, c'est bon, non mais je vais faire un protectorat, je crée un pays indépendant. Ouais, ce serait bien le style. Bah, mais de toute façon, je pense que ce mode est fait pour que ça pète un peu dans tous les sens et qu'on évite, je pense, peut-être les grosses guerres de. La République de Corée qui a déclaré la guerre au Japon. Non, mais les mecs, ils ont. Parfait. Ils sont complètement malades. Ils vont se faire over-défoncer, les Coréens. C'est très 8 divisions, c'est même aux 50. Leur seul espoir en fait c'est de rusher assez rapidement pour obtenir la Corée entière et puis espérer qu'il y ait une paix, un event de paix. Ouais, j'aurais plutôt. Ouais, ils peuvent gagner que sur un. Sachant que leur capitale, elle est au Yongsong, c'est où ça? C'est juste en frontière en plus. Leur capitale est à la Ouais, frontière. c'est où là? C'est le Second International Congress. Tu regardes Séoul, c'est la frontière avec la Corée du Nord aujourd'hui. Hein.
Ah, y a ça à faire. Alors voyons. The Second International Congress. Oh, ils avancent. Ouais, faudrait que. Ouais, est-ce qu'ils vont choper la capitale et que ça va déclencher un événement disant voilà, fin de la guerre de Corée? Mais ils vont se faire défoncer, ils vont se taper un débarquement dans le dos là, ils vont marcher comme des cow-boys. Après, comme je disais, je sais pas si je te l'ai sorti cette blague à la con à propos des Portugais. C'est quand même, le Portugal, c'est quand même une des seules puissances coloniales qui se retrouve avec une de ses anciennes colonies qui est plus puissante économiquement de nos jours qu'à l'époque, quoi. Parce que le Brésil est quand même beaucoup plus puissant que le Portugal, économiquement parlant. Alors que la France, bon, de nos anciennes colonies, ou l'Angleterre de ses anciennes colonies. Ah si, quoique, ouais, l'Angleterre avec les États-Unis. Même si c'était que les 13 colonies initiales. Ouf. Bon ben, Washington est perdu. Ah, stabilité 50. Ah ben, les Coréens se rebellent. Je vais rien faire, je vais pas intervenir. Les quoi, ce rebelle? Les co Coréens. Donc je vais pas intervenir en Corée. Pourquoi il voulait que tu interviennes son coin, hein? Ah, pour avoir un soutien, peut-être d'armes ou volontaires, un truc comme ça. J'ai dit non, j'ai autre chose à foutre. Et c'est bien parce que j'ai enfin les events économiques et d'expansion qui sont enfin développés. Je vais focus un peu le politique et après, hop. Oh putain, oh les Mexicains, les enculés! Bah, c'est des Mexicains, hein. D'ailleurs, les États-Unis n'existent même plus, regarde. American Civil War. Combiné Syndicate of America. Que dalle. Ah si, on va peut-être les aider. Attends. Sans volontaire ou en équipement, 10 000 hommes, t'as qu'à croire, je peux pas. Le truc, ils veulent Attends. que j'envoie 10 000 hommes, j'ai 8 000 hommes de manpower pour aider les Américains, l'Amérique du Nord. Hey, le Pacifique, là, ils ont plus de troupes que le Mexicain. Si les Mexicains sont pétés les dents. Comme. Sérieux, mais ils ont combien de troupes? Parce que le Pacifique, ils en avaient entre 8 et 12. Ah, c'est la rue là aussi, regarde. 14, 29. Ah ouais, non, c'est le Mexicain qui a un clodo, quoi. 8 à 13. Le cinéma est notre arme contre le capitalisme. Si tu savais, mon gars. Champion entre Bologne et Turin. Construction 2. Tu connais le point commun entre des juifs et des chaussures? Je sens la connerie là. Nine. C'est plus facile d'en trouver en 36 qu'en 46. Entre le juif et quoi t'as dit? Des chaussures. C'est con. Ah non, bravo. Politique à l'action, sonniser l'armée. Weekly stability, ouais. Ah bon, on va faire ça. On va envoyer les mecs dans l'armée. Allez hop! T'es pas content, tu rentres dans l'armée. Allez hop. Ça me fait du. Ça me demande de la stabilité, quoi. On y va. Plus 0,5. Je suis à 50% de stabilité. Putain, c'est vrai que c'est bien, le monde il est découpé quoi, c'est une bonne chose. Par contre, putain, ce que c'est calme. Oh, ça va pas l'être. Alors mes unités, elles sont quoi? Elles sont entraînées au taquet, donc on va arrêter de les entraîner, ça sert à craquer des ressources et de la manpower et tout ça pour rien. Prépare-toi à bientôt voir une dictature en Russie dans 21 jours. Military. Ah oui, d'accord, c'est bien le titre, une military dictatorship. Et c'est quoi ce truc-là? Et Spartakiade, la seconde internationale. Ah oui, à Paris, avec les syndicalistes. L'Abyssinien redéclare la Encore? guerre à l'Érythrée. Je pensais pareil, j'ai dit non, mais sérieux. Est-ce que c'est le même qui est revenu ou c'en est un autre? C'est le même. Mais non, ce n'est autre. L'Érythrée maintenant, c'est Wold et Mandélis Selassie. Je crois que c'est encore le même, tout à l'heure, la Ah ville. oui, non, t'as raison. Je sais pas, je me demande hein, si c'était pas Haïlé Selassie qui était là-bas. J'ai un doute, je me Non, demande si elle est. c'était pas inversé. Non, elle est, c'est assez celui d'Abyssinie. Ah d'accord. C'est celui qui là, bah, historiquement, il sera là tous les années 60. Où il sera dégagé par un coup d'État.
Et apparemment, c'est encore un autre Sélassié qui a pris le pouvoir en Érythrée. Ouais, en gros, c'est... Tu veux quoi, le roi ou le roi? Ah bah j'hésite, hein, le roi il me plaît bien. Bon, par contre, l'Angola s'est bouffée par l'Allemagne. Enfin, l'Allemagne africaine. Bah tu m'étonnes, les mecs, ils doivent avoir affecté ses troupes à la frontière. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que sa capitale, c'est quoi? C'est Zanzibar? Non, Dar es Salaam. Et qui chope d'abord de l'autre côté, c'est marrant parce que. Mais il a quoi comme point de victoire là-bas, le Portugal? Il n'en a pas. Bah non, C'est je le genre crois de pas. guerre qui va durer théoriquement, qui va durer 20 ans, quoi. Sauf s'il y a un event où toute l'Afrique est prise et que le Portugal a des events, bon bah Afrique perdue. Ah, le Portugal a la Guinée portugaise. Au milieu de l'Empire français, de la République française. Donc la République française, ils sont quoi comme. Ah, c'est tonton. C'est Pétain qui a choisi suffrage étendu pour y compris pour les indigènes. Surprenant. Ah, Legacy of the Chasseur Alpin. Ah, ça c'est beau, Ah. l'héritage des chasseurs alpins. Bon, il a fait préparer la libération. Le premier, à partir du 1er juin 39, du 1er juin 39, il peut commencer à dire on va retourner sur le continent et débarquer à Marseille. Donc en 39, ça a commencé à bien bouger, ça a commencé à exploser là. Ouais. Toute la France a également la possibilité de réclamer l'Alsace-Lorraine par ultimatum Alors, à voyons. l'Allemagne. Ah, restaurer the Kingdom of France, the French Empire. Ah non, putain. Ah, il y a des trucs qui peuvent être fun, quoi. Ouais, il n'y aura pas Napoléon IV. De Gaulle plan. Oh là là, ouais. Alors, Legacy of the Chasseur Alpin, c'est quoi ça? Ah ouais, plus 50% de recherche pour Infanterie de montagne 1, 2 et 3. Par contre, moi, c'est vrai que maintenant j'ai de la discipline et j'en gagne, je crois, théoriquement. Elle est où ma discipline? Ouais, j'ai. Ah ouais, merde, je suis à 100. Non, c'est le command power. Army expérience. Ah ouais, d'accord, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on va éditer ma division d'infanterie. Donc, elle fait une largeur de combien? C'est où déjà le. Là, là. Combatouille 18. Donc, faut leur rajouter une unité de montagnard. Histoire de gagner les bonus en combat en montagne. Et théoriquement, une unité de Marines pour gagner les bonus de franchissement. Et ça me coûte 10 points. Et ben on va faire ça. La division Garibaldi. Et après, je À tes vais souhaits. tout mettre. Non, parce que là, t'as le 30-30, 10 machins, 10 machins, 10 troupes. C'est du Rital, moi je parle pas de la Rital encore. Ma signore. Là, voyons, mes divisions. 8 infanteries, une montée nord, une marine. Ils ont besoin d'armes. Mais au moins ils se battront un petit peu. Ah ouais, moins 100. Ah non, faut les équiper, c'est bon, j'en ai 13 000 en stock. Après, je vais améliorer la bureaucratie pour améliorer les usines et tout et tout. Parce que j'avais bien besoin de ça. Ça me coûterait une division d'infanterie. Combien de manpower ils ont besoin eux? Manpower 10 000. Oh, je mets une unité d'infanterie. Ouais, mais si je peux convertir de la. Ouais, je peux convertir ma milice en. Oh! Oh bah oui, ils se mettent sur la gueule entre eux. Oh putain, c'est gangbang là-haut. Mais c'est suicidé, hein, les mecs, hein. Le duché balte, il est lié avec l'Allemagne. Ah bah tiens, ça se pète la gueule de l'autre Soutiens côté. l'Espagne! En fait, c'est moi qui veux reconquérir mon territoire et je suis le seul à pas être en guerre, quoi. Mais bon, là, avec troupes de marine et tout, ça va être marrant le franchissement de territoire, là. Si la Lettonie veut de l'aide. Ah, état militaire chez nous. Je vais pas intervenir chez ces cons. On va moderniser tout de suite la bureaucratie. Militariser l'économie. Bon. Et la Russie est une dictature militaire, voilà. C'est bien. Je suis resté ré Russie une république alors c'est une dictature. Vous pouvez pas changer le nom là les gars.
Bravo. Alors, Est-ce qu'on occupe Balkan ou fondation pas? du pacte de Belgrade. Bon, ils vont encore péter de toute façon les Balkans. Est-ce qu'on occupe Balkan? On peut pas commencer une autre guerre mondiale? Jamais Encore une? 203. Y a qui? Y a les Grecs, les Serbes et les Roumains. Oh, je rebaisse en stabilité parce que je suis une dictature. Oh là là, gna Un jour j'ai tu y combien de arriveras. points là? Political power? Moins 114. Ah oui. Parce que la Lituanie qui a osé me dire ouais, on veut de l'aide. Mais les mecs, je vous rappelle, il y a un petit problème. On n'est pas potes. Non, c'est pas ça. C'est que vous claimez une de mes provinces. Vous avez un claim sur une de mes provinces. Vous allez vous faire voir, les gars. Ah ben ça. Par contre, le reste de l'Allemagne, enfin, et de la Mitteleuropa, enfin, du Reich Pact, n'est même pas venu contre les rebelles en Lituanie et en Estonie. Ça arrive, ça. Public, c'est... Pop, pop, pop. Bon. Ah, non. Putain, ça ralentit. Je sais pas ce que je crois que j'ai cliqué. J'ai eu un choix entre soutenir ou faire silencieux. J'ai dit, bah tiens, ça n'influence en rien. Dans le sens où je passe à souris, sauf que j'ai juste la pop-up qui a été longue à apparaître. Donc ben, je sais pas ce que j'ai fait. Je crois que j'ai encore claqué de la manpower, genre je suis pété de manpower moi. Non, j'en ai pas de la manpower. Tu te rappelles la guerre civile espagnole entre Franco et les autres, l'Espagne divisée en deux? Oh mais Et ben, là, ils les sont couteaux dans le divisés bras. entre. Ouais, oh putain ce bordel. Militariser l'économie. Donc ça, the Spanish Civil War. Ouais, on s'en branle. Mobiliser l'industrie. États-Unis et syndicalistes sont en train de défoncer les unionistes. Hein. Normal, je les ai aidés. Begin the Risorgimento. Est-ce qu'on peut... Ah merde, focus de machin ou focus de bidule. Ah bah déjà? Alors voyons. State athéisme. Athéisme d'État. Suppression des catholiques. Gain War Bus Support plus 10%. Ministry of Public Security. Daily Political Power moins 0,10. Décryption plus 1. Ah bah ça je prends quoi. L'Espagne n'a pas d'intérêt pour la République russe. Ah ça y est, ça c'est une bonne chose. Exactement. Ah. Ils Conseil ont de fait une paix blanche. blanche. Ouais mais est-ce que... Non mais c'était une paix blanche. Ah bah non, c'est une vraie paix blanche. Parce que des fois je m'étais dit c'est une paix blanche. Non. Le nord du Mozambique, la province de Zambèze, elle a été prise par l'Allemagne. Je regarde C'est quoi le le pays à Zambèze? droite. La province de Zambézia, qui est beaucoup plus, qui était autrefois Ouais. au Portugal, et qu'ils ont perdu. Ah oui, c'est au Portugal. Pourquoi ils ont pas de claim dessus? Ils l'ont perdu, sûrement à cause de la paix blanche. Ah d'accord. Alors Et par bon, ça contre, compte. ah c'est bien parce que le Pacific State of America, ah, il est pas en guerre contre les deux de le Combined Syndicate et l'American National State. Donc il a que le Mexique sur le coin de la gueule. Si le Mexique gagne. Mais il se fait un peu bouffer par le Mexique. Mais théoriquement, vu qu'il a un seul front à gérer. L'Espagne, y a le gangbang là-bas qui se passe, comme d'hab. Hein. Formation, et ben hop, on arrête l'entraînement, on est bien. Les usines. Oh bien, je commence à avoir des usines moi. Support equipment, on va commencer à en faire. Bien, ça t'as combien d'usines toi maintenant? Moi j'ai 15, 3, 13. Je suis à attends, bah ça 10 2 38. Ouais, ça va, je suis un peu meilleur que toi. Et après on va basculer sur une production militaire, hein, parce que je crois que j'en ai bien besoin.
je vais encore améliorer un peu l'économie et après je foncerai pour récupérer les terres en Asie déjà. Mmh. Allez, on en pause. Parce que c'est la fin de l'épisode. Donc en fait, le monde bouge, mais pas chez nous pour l'instant. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Donc bon, hein. C'est prévu. C'est prévu, voilà. Bah, et sur ce, ouais, c'est on s'arrêtera plus. Bah, et sur ce, les gens, hein, on vous dit bye bye et donc à demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde. Salut les gens.